Non, parce que j'ai un peu soif, mais je me dis que si je bois tout maintenant et que j'ai soif après, j'aurai plus d'eau plus tard après quand j'aurai soif, parce que j'ai pas très soif maintenant. Donc c'est pour ça que j'arrive. Non, parce que c'est un peu ballot, parce que si je bois maintenant quand j'ai un petit peu soif, et puis que après quand j'ai très soif, j'ai plus rien à boire, ben c'est un peu ballot. Mieux vaut se dire, tiens, je garde mon eau pour quand j'aurai plus soif. En même temps, si quand j'ai plus soif, j'ai pas plus soif, mais que j'ai plus soif, alors c'est un peu ballot de ne pas avoir gardé mon eau quand j'ai un petit peu soif, puis que j'aurai maintenant que j'ai plus soif, puis j'ai de l'eau, alors. Et mon grand-père, il disait, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mon grand-père, il disait toujours ça. Alors, en même temps, moi, je ne suis pas un âne. Donc, ça voudrait dire que même si j'ai plus soif, je pourrais quand même boire mon eau si j'ai pas soif, puisque je ne suis pas un âne. Donc, je vais me resservir un verre. Non. Mon grand-père disait, mais toi, mais t'es têtu comme un âne. Moi, j'y tenais tête. Je dis, ah non. T'es têtu. Je dis, ah non. Il dit, ben voilà, c'est ça. Ah non. T'es un ânon parce que t'es un enfant, mais quand tu seras un adulte, tu seras un âne. Et l'autre jour, il y a Francesco. Il me téléphone, ça m'a pas étonné, parce que il me téléphone, Francesco, donc vous le connaissez tous, hein, c'est le directeur de la lyre de chez une bougerie. Il me téléphone, il dit, alors Benjamin, c'est la musicienne de Brême, là, si. C'est ça, hein, la musicienne de Brême, là, est-ce que tu veux être une musicienne avec nous? Et ben, j'étais même pas surpris qu'il m'appelle pour faire l'âne. Ben non. Donc, on va commencer. On attend les autres musiciens, les autres animaux, les autres comédiens, ils viennent pas. Ils vont arriver. Bon, bah, alors on va pas les attendre, on va commencer comme ça, parce que sinon, on commence à avoir marre. Après, le soleil va de nouveau arriver, on aura tous circulé, on va pas y arriver. Donc, je peux commencer? Bon, alors je raconte l'histoire. Chut. Les enfants. Mais t'es HP, toi, ou quoi? HP, c'est haut-parleur. Donc, il était une fois un vieil âne, c'est moi, qui avait travaillé durement pendant si longtemps. Toujours travaillant pour le même paysan. Mais soi-disant, parce que j'ai 66 ans, je ne suis plus assez vaillant. C'est vrai que c'est fatigant, toujours travaillant, portant, tirant, trimant comme un titan. Mon tyran de patron me criant « Fainéant !» C'est épuisant. Au bout d'un moment, c'est même carrément chiant. Donc, je suis une bête de somme, alors j'ai décidé, une bonne fois pour toutes, de faire un somme. Et là, le paysan me réveillant, en criant et en me visant, tu n'es bon plus qu'à faire de la viande. C'était terrifiant. Vivant, c'est parce que je suis parti en m'enfuyant. Je suis un migrant.
mais rien ne sert de braire. Alors, braire, c'est le cri de l'âne. L'âne braie. La vache meugle, la chèvre bêle, le jacques brêle, et l'âne braie. Et moi, je voudrais aller braire à Brême. Alors, Brême, c'est une belle petite ville dans le nord de l'Allemagne. Ça se situe vraiment à mi-chemin entre Amsterdam et Hambourg. Voilà, on fait du tambour à Hambourg, du ramdam à Amsterdam, et on braire à Brême. Je rêve d'être un musicien. Chef, si je vais à Brême pour faire de la musique, est-ce qu'un jour je serai, moi, un grand musicien? Si! Alors on y va, allez, allez tout le monde, allez, musique, allez! Il espérait rencontrer du monde. Je vais quand même faire tous les animaux tout seul ou bien ils viennent pas les autres? Bon, bah alors, si c'est moi qui dois faire ça tout seul, alors... Je vais devoir faire le chien.